la possède, Sisyphe qui arrive à se placer à un endroit aérien, entre guillemets, ou même au sol, et qui contrôle un point de réapparition de l'équipe des Wizix, il peut faire très très mal à cette équipe, que ça peut être un réel avantage dans cette carte. Inside qui est assez préférentiel. J'ai côté droit de la carte, c'est Shunny qui a fait le kill sur Kero, qui va débloquer un peu la situation pour Inside, qui va lui aussi tenter un point, et ça rend qu'il possède, avec notamment Inside, qui va faire tout le tour de la carte par le côté droit lui aussi, en se servant de son trust pack, et des wallruns, il passe en dessous de l'arc, il a bien raison, est-ce qu'il va s'en sortir? Il arrive à rester en vie pour le moment, c'est plutôt pas mal fait de la part d'Inside qui a fait tout le tour. Wow. Pour aller marquer un point, c'est très bien fait de la part d'Insight qui permet au Millennium désormais de mener 3-0 dans cette rampage, comme on le dit. 8-0 désormais, un nouveau dunk d'inscrit. Il s'envole tout simplement vers la victoire dans ce match. Il restera quand même 5 minutes au Wizix après ses 50 prochaines secondes pour essayer de revenir au score. Mais Insight vient de claquer un énorme double kill. Avec un dunk et c'est fait. 13-2, le premier dunk. Les premiers points sont marqués de la part des Millennium dans ce side. Et Zeke très agressif, mais Kirby qui vient de l'électriser avec une tempête. Et le deuxième kill consécutif de la part de Kirby aux tempêtes. Il va essayer d'en faire peut-être un troisième au niveau du top. Mais Insight lui aussi a sorti ce spécialiste et vient de faire deux très bons kills avec celui-ci pour tout simplement prendre le contrôle de la base adverse. Il continue. Oh mon dieu, Insight qui vient de claquer un énorme moins 4 pour permettre à son équipe de mener désormais 15-13 points d'avance pour les milliers. Vraiment compliqué. Ouais, je pense que mathématiquement ça a pu être possible. Et mon dieu, le punch d'Insight qui va envoyer Chucky dans le vide. Et il a récupéré cette ball Insight. Insight qui, on l'a vu s'entraîner sur des wallruns, maîtrise vraiment bien cette technique. On saute un petit peu sur tous les murs, hein, côté Millennium. Et là Insight, il est juste. Il est juste. Mais il passe et on l'a vu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de perdre l'équipe adverse, mais pour le moment il n'est pas tombé. Et c'est plutôt bien fait de sa part. Il y a eu un double. Est-ce qu'on va faire ce throw? Oh, j'ai eu peur. Ça a été intercepté, il me c'était semble. C'était pas loin, hein. Elle est retombée juste derrière la zone, il me semble. Hein. Franchement, c'était vraiment pas loin. Bon, ça n'aura aucune incidence puisque Inside, voilà, aura encore une fois une autoroute devant lui pour aller scorer 19 winner à 5. Bracket. Ouais, vous pouvez faire du bruit là. Vous pouvez faire du bruit. Allez, pour faites du bruit. Chauffez. C'est fait un peu en demi-teinte. Une première partie bien maîtrisée par les Wizix qui ont quand même pris le lead à plusieurs reprises. Mais voilà, sur le plink, il n'y a pas eu photo. On a vu les joueurs justement aller se serrer la main sur la scène. Et donc les Millennium qui vont affronter les Unnamed sur une scène Call of Duty qui se trouve de l'autre côté du salon pour tout simplement jouer leur place en grande finale.